si je dois m'arrêter à ça, je, non seulement je m'en fous complètement, mais en plus je vais vous expliquer. Le jour où j'ai dit ce que j'avais à dire, je l'ai dit, et dans ma vie, j'ai pas l'habitude de regretter ce que je dis. Je l'ai pensé, je l'ai dit, point barre, c'est tout. Non, je pense pas pareil. Je pense que c'est pas contre le club. J'en ai parlé avec M. Legras tout à l'heure. Mais vous savez, moi, je suis, comme vous êtes breton et d'un grand pays, moi, je suis marseillais. Faire 2 ans de Ligue 2 alors qu'on était remonté, je trouvais pas sympa. Je me suis un peu lâché le jour où je devais le faire, mais c'est pas pour contre le club. Après, que les gens disent ce qu'ils ont envie de dire dans la tribune, vous savez, j'ai 50 ans. Je pense avoir assez d'expérience et assez de vécu sur un terrain pour que ça me passe au-dessus et dessous. Franchement, ça m'empêche ni de vivre, ni de m'asseoir dans la tribune. Et venez avec moi un jour où je vais au Paris Saint-Germain, vous verrez, c'est multiplié par 1000. Et ça m'empêche pas de vivre, hein, et j'avance. Et donc voilà, je comprends, les gens s'expriment, vous savez, il y a les mêmes à Marseille. Donc c'est comme ça. Merci à vous. Merci beaucoup.